Kalari Paet. Quand? Kalari, ça veut dire dojo. On est cool, quoi. On est cool. Paet, ça veut dire combat. Kalari Paet, ça veut dire on est cool de combat. C'est tout. Donc c'est 3500 un an avant. C'était et produit pour des armées dans le royaume de l'Inde. Genou, pied tendu. Genou, pied tendu. Il est derrière. Essaye. On y va. Il va là, Pnel. Pose derrière. Pose à gauche. On le voit au gardement. Et là, Pnel. Pose derrière. Coup de pied. Pas le temps là, un gars. Encore une. Pas le temps là, un gars. Coup de pied. Donc là, on a trouvé une bonne complémentarité au MMA là, avec le Kalari Paet que je ne connaissais pas. Une bonne souplesse articulaire, surtout au niveau des ischios, au niveau des jambes pour les kicks, comme tu peux voir. Donc voilà, pas mal complémentaire pour le MMA, pour la souplesse des jambes, et par exemple les sauts périlleux qu'on peut retrouver avec Anthony Pettis, par exemple, au WEC ou à l'UFC. Ça t'offre vraiment une belle souplesse et une explosivité au niveau des jambes, qui est pas mal pour le MMA. Voilà, on pense que c'est pas mal. Voilà. Et là, tu as l'idée, c'est ça. Pose la bouche devant. Et n'y va. Pose la bouche devant. Si tu donnes un coup de pied, quelqu'un, lui, il t'attrape. Tu voles avec l'autre jambe. Et avec ce jambe, tu donnes un coup de pied, tu retournes par terre. L'idée, c'est ça. Tu vas voir. De l'autre côté, quoi. Et voilà. Et n'y va. On y va. Quand il fait, c'est. On ne peut pas avoir des combats directs maintenant, c'est disparu déjà, il y avait des combats mortels avant. Voilà Pnere. Voilà Pnere. Voilà Pnere. Il faut qu'il entraîne plus d'étapes. Ce n'est pas seulement physique qu'on entraîne, on entraîne des armes, par exemple des bâtons, des épées boucliers, des épées qui bougent. Voilà quoi. Donc, plein de choses, il faudrait qu'ils entraînent. On reviendra peut-être de temps en temps. En tout cas, c'est vraiment pas mal, ça t'apporte beaucoup. Même en tant que sport, de toute façon, si tu fais un sport, si tu fais celui-là, c'est déjà très bien. Yeah.